Bonjour à tous. Ouais, allez. Allez, bien l'intro là. Vas-y, vas-y, franchement, fais ça. Vas-y, vas-y. Fais-le. Bonjour à tous et bienvenue sur Cher Fitness. Bonjour à tous, bienvenue sur Cher Fitness. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, celui du fessier. Des grands fessiers. Exactement. Plus précisément, le mouvement du kickback, comment l'améliorer, voire l'optimiser. C'est peut-être pas une très bonne idée de faire ça, non? Ah, salut Christina. Ah, bonjour. Salut. Donc, non. Malaise. Attends. C'est ce que t'as dit précédemment, avant qu'elle apparaisse. Christina, qui est chorégraphe professionnelle et danseuse, va nous accompagner aujourd'hui pour les diverses démonstrations. Exactement, c'est un mannequin qui est un peu mieux que David. Parce que sinon, les pouces rouges vont pleuvoir. Donc, pour parler du grand fessier, petit rappel anatomique avec Paul Mathieu. Donc, le grand fessier, vous savez, les fessiers, c'est composé de trois muscles, le grand, le moyen et le petit fessier. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser principalement au grand fessier. Le grand fessier, c'est le plus gros muscle de l'organisme. Et il s'insère, il a de multiples insertions, mais il s'insère principalement au niveau de l'os iliaque et du coccyx. Et il va se terminer sur la partie latérale du fémur au niveau de la ligne âpre et du tenseur du fascia lata. Son action, elle est multiple. Premièrement, il va permettre de faire une rotation externe de la hanche, c'est-à-dire du fémur, pour ouvrir, mais également faire une extension de hanche, c'est-à-dire le fessier en arrière. Et enfin, on peut faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire envoyer le bassin. Alors, je ne peux pas le faire debout parce que j'ai quasiment aucune souplesse. Mais envoyer le bassin voilà, en arrière. Comme ça, c'est un peu gênant. C'est pas grave. C'est pour la science. Grâce à ce petit rappel anatomique de Paul Mathieu, maintenant, on va voir ce qui se passe en pratique sur le mouvement du kickback. Alors, on est de retour ici avec Christina sur le plateau musculation pour une démonstration du kickback à la poulie avec une sangle spéciale pour les fessiers. Très souvent, lorsqu'on observe ce mouvement sur les plateaux musculation, une des plus grandes erreurs qu'on peut observer et justement une hyperlordose du mouvement, une hyperextension du dos lorsque les gens effectuent ce mouvement. Regardez, voilà. Vous voyez ici la cambrure qui se crée, ça montre qu'on est allé beaucoup trop loin sur le mouvement. Tu peux relâcher. Donc ce qu'on souhaite justement sur ce type de mouvement, c'est éviter d'aller trop loin et s'arrêter un peu avant pour vraiment solliciter uniquement que le grand fessier. Ici, je vais vous montrer une petite astuce. Je peux les venir voir de ce côté. Petite astuce ici consiste à utiliser ici deux doigts comme repère. Regardez, le premier, le pouce, on va le mettre au niveau du bas de sa cage, ici au bas des côtes, pardon. Et le grand doigt ici sur l'os de la hanche. Justement, quand on va effectuer le mouvement, alors je te montre juste, lorsqu'on va effectuer le mouvement, la main va rester fixe et ne plus bouger. Et en fait, ça va être notre repère lors du mouvement. Si on décolle, regardez, c'est ce qui se passe quand on va décoller trop haut. Regardez, la hanche ici fait un tilt et du coup le doigt n'est plus en contact avec l'os de la hanche. Alors que si je m'arrête à la bonne amplitude, juste voilà, regardez, j'ai toujours le doigt en contact avec la hanche et mon dos n'est pas cambré. Donc la démonstration ici, regardez ce qui se passe lorsqu'on fait une hyperextension. Regardez, hop, regardez, le dos est cambré, on n'est plus en contact. Et lorsqu'on effectue correctement le mouvement, voilà, stop, regardez, le fessier est contracté. Ici, on s'est arrêté à la limite, juste avant que la hanche effectue son tilt. C'est là où on est à l'amplitude maximale du mouvement. Il ne faut pas chercher à aller plus loin. Et également, un autre point très important ici, plutôt pour améliorer, voire optimiser votre mouvement du kickback, il faut savoir que le grand fessier, en fait, permet une extension de hanche, mais également une rotation externe. D'où justement la direction des fibres musculaires. Pour contracter un muscle de manière efficace, il faut connaître la trajectoire de ces fibres. Pour illustrer mon propos, on est maintenant sur une vue postérieure pour que vous puissiez bien observer la trajectoire du mouvement. Donc Christina va se mettre en place. Regardez, lorsqu'elle va effectuer ici un mouvement avec juste uniquement une extension de hanche, regardez la trajectoire, voilà. Très souvent, dans cette position, il se peut qu'on ait très peu de sensations au niveau du fessier. Alors que là, quand on va effectuer un mouvement, vous allez voir un peu plus diagonal. Ici, on aura
normalement plus de sensations au niveau du fessier et regardez naturellement, il y a une légère rotation du fémur. D'où l'explication anatomique précédente avec les fibres qui sont en diagonale. Donc effectivement, comme le disait David, l'important pour contracter au maximum un muscle, c'est de raccourcir au maximum les fibres musculaires et donc de rapprocher le point A, qui est l'extrémité de la fibre, au point B, qui est l'autre extrémité. Donc insertion et terminaison pour justement cette contraction maximale. Donc pour avoir cet effet-là, il faut travailler dans l'axe de la fibre, c'est un peu schématique, mais c'est ça. Deuxième chose importante à dire, c'est qu'il faut avoir toutes les actions du muscle, c'est-à-dire typiquement pour le grand fessier, comme on l'a vu, l'extension de la hanche plus la rotation externe de la hanche. Si vous faites les deux en même temps, les fibres sont vraiment raccourcies au maximum et donc vous allez avoir la meilleure contraction possible et donc potentiellement le recrutement musculaire maximum. En conclusion donc, on vient de voir un exercice pour travailler ses fessiers, c'est un exercice de finition. C'est pas avec ce genre d'exercice que vous pourrez pousser forcément très lourd, mais ça peut aider à améliorer notamment la connexion neuromusculaire envers votre fessier pour mieux le sentir se contracter et donc avoir un meilleur ressenti sur les autres exercices de fessier. Donc les points importants, on l'a vu, en deux mots, c'est ne pas aller trop loin et faire une rotation externe de la hanche pendant que vous faites l'exercice. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Tout à fait. Et vous allez bien travailler. Travaillez bien vos fessiers. Et à 300 likes, mettez des likes parce qu'à 300 likes, Christina elle revient pour une autre vidéo. Donc si vous voulez qu'elle revienne, mettez 300 likes. Exactement. Vous avez même le droit de créer des faux comptes. Et une dernière chose, si le contenu de nos vidéos vous plaît et si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettre plein de pouces bleus. Et si vous souhaitez nous suivre sur Instagram, on a ici, je ne sais pas où, sur l'écran, nos différents Instagram. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. J'étais complètement coupé la parole, mais tu sais plus ce que tu racontais, donc il fallait t'arrêter. Je recommence ou pas? Non. T'es sûr? N'hésitez pas non plus également à soutenir la chaîne avec le code IKEY sur le site Prozis. Si jamais vous faites des commandes, bah, n'hésitez pas. Et sinon, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au revoir. À la prochaine. Et à bientôt. À la prochaine. Salut. C'est dur, hein? Ouais, c'est un travail à temps plein.